Aoulaba signifie beauté en ivoirien. Et c'est précisément le nom de ce concours, relancé en 1999, après 20 ans d'oubli. À présent, les Miss Aoulaba sont en passe de détrôner les Miss classiques avec leurs critères occidentaux. La flamme lèche de beauté et de faire au critère ivoirien. Vous aimeriez l'une ou l'autre aussi être reine de beauté? Oui. Ouais. Alors toi, tu voudrais être quoi? Aoulaba. Aoulaba? Ouais. Faut que tu manges un peu plus, hein. Et toi, j'aimerais être Miss Côte d'Ivoire. Parce que Aoulaba, j'ai pas envie de grossir aussi. Donc, j'aimerais être Miss Côte d'Ivoire. C'est parce que je veux grossir, mais c'est parce que je trouve que Miss Aoulaba est plus respectée par rapport aux jeunes filles. De nos jours, on respecte plus les femmes âgées que les jeunes filles. Et la foule populaire fait un véritable triomphe à ces lauréates mûres, qui affichent fièrement les peaux des belles et les rondeurs de mère de famille, comme Opportune Boué, lauréate 99. Tout à l'heure, je reviens à 17h30. Okay. Aoulaba, pour mettre en valeur la beauté de la femme africaine. Aoulaba, pour changer avec les femmes qu'on voit habituellement à la télévision. La femme Aoulaba doit avoir la forme d'une guitare, un teint naturel noir d'ébène, des cheveux gros grains noirs, avec une coiffure de type africain, le visage harmonieux. Elle doit avoir les yeux à la menthe, avec un regard velouté et séducteur. Poitrine moyenne, proportionnelle autour des bassins, avec un beau sein en forme d'obus. Le ventre normal, avec un léger renflement au niveau du bas-ventre dû à la maternité. Elle a 39 ans. Poids 85 kg, taille 1m70, tour de poitrine 98, passé 125, elle nous arrive de la commune de Pauvre. Quant à la prestance, à la démarche, doit avoir de la présence, élégante, maîtrise du corps, gracieuse, souple, sûre, équilibrée, rythmée, précise, régulière. Quant au charme, elle doit être séduisante, charmante, attirante. Merci. Les loups.